Et coucou à tous, je viens aujourd'hui avec ma voix super rauque. Je suis pas à l'aise, faut que je mette un coussin sous mes fesses. Hop là, ah ouais, je fais tout avec vous. Je suis en train de me dépêcher, j'ai hâte, j'ai hâte. Nous sommes aujourd'hui le 14 février 2020. Et aujourd'hui, le plus beau jour du monde, ma naissance. Pardon, peut-être pas abusé non plus. Ouais, c'est bon, on a le droit de se faire des fleurs de temps en temps. Bref, tout ça pour vous dire, mes filles sont parties à l'école. Je vais ouvrir le colis à ma jumelle. Oui, c'est ça. J'ai même pas pris le temps de prendre mon petit déj. Mon chocolat chaud est encore là. Je vais commencer. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Donc, il va falloir que je j'ouvre tout ça. Donc, j'ouvre ça. On va faire attention de ne pas faire de bêtises. Et un milieu dans son carton, il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas l'air d'y avoir de milieu là-dedans. On va faire sur les côtés, on verra bien. Ouais, ça me paraît être sur le côté. Hop. Oh là! Oh là, oh là, oh là, oh là! J'ai commencé à percevoir des choses. Qu'est-ce que tu m'as mis, ma jumelle? Ah oui, alors dessus, il y a des trucs qu'il faut que j'enlève normalement. Hop, hop, parce que ma fille avait gagné son enveloppe de défi de son. Du mois de je ne sais plus quoi. C'est marqué sur l'enveloppe normalement. Oh, elle hallucine. Elle hallucine. J'hallucine. J'hallucine, j'hallucine. Alors attendez, il y a un truc qu'il faut que je voie apparemment. Avant de voir, ouvre-les à la page du titre. J'ai pas compris. Avant de crier, ouvre-les à la page du titre. Eh ben quoi? Moi pas comprendre ma jumelle. Alors déjà, voilà. Mais pourquoi je crierais? Je vais pas crier, ma jumelle. Mais il faudrait que tu m'expliques pourquoi. Pourquoi tu m'as marqué ça? À la page du titre. Alors, tout simplement, elle m'a prêté des livres. Donc, avant de crier, ouvre-les à la page du titre. Mais à la page du titre, la page du titre. Voilà. Je comprenais pas pourquoi le titre, il est devant. Pour moi, il n'était pas l'inter. Oui, mais bon, voilà. Il est 8h30. Hein. Cette vidéo risque d'être longue. Elle risque d'être en deux parties. Mais c'est pas grave, je m'en fiche. Vous l'aurez dans la journée. Voilà. C'est comme ça, c'est cadeau. Donc pour ma jumelle, un auteur que j'adore, Natacha. Donc en gros, elle me fait cadeau d'un livre. Oh, mais t'es pas bien. Hein. Ben, ça va commencer. Oh. Alors, elle a dit ouvre-les. Donc je suppose que le deuxième. Un auteur à découvrir. Absolument. Alors, c'est Marc Lévy, le premier. J'en ai vu hier quand j'étais faire des courses. Il y en a ressorti un là qui. Je crois que c'est lui. C'est un personnage. Plutôt un personnage. L'intrigue, c'est un jeune homme qui voit. Qui parle avec un mort. Et qui veut. Le mort veut que le jeune homme réalise son dernier souhait, je sais pas quoi. Quelque chose comme ça. Ouais, c'était hier, j'ai dormi depuis. Hein. Alors désolé, je finis mon chocolat chaud. Ah ouais. Avant qu'il soit froid. On pose la tasse bien loin. Et là, ce que je vais faire, j'ai enlevé le carton parce que je vais pas vous le laisser devant vous quand même. Quoique ce que je veux, c'est mon anniversaire. Alors, si j'ai envie d'être chante, ben je serai. Ouais. Alors, donc voilà, les enveloppes, les fameuses enveloppes. Tirage au sort du défi de janvier parce que j'ai gagné. Donc ça sera dans une prochaine vidéo. Hop, je la mets de côté. Et là pour ma fille qui avait gagné le tirage au sort du défi de décembre. Voilà. Pardon. Oh.
Oh, elle est trop belle. Oula. Alors, attendez. Oula, bah, le mot, il n'est pas dedans, il est dans une... Je sais pas pourquoi, mais je sens que une magnifique carte, sans mots. Pour tout vous dire, le mot est sur une feuille blanche à 4, recto verso. Voilà. Je vous garde avec vous le temps de lire. Je vous laisse admirer sa superbe carte. Oui, alors je suis enrhumée, je suis désolée si je renifle, mais je vais pas faire de pause à chaque fois. Est-ce que je vais pleurer, ma jumelle? La figuille. Non, on va résister quand même. Alors. Pardon. Elle croise encore les doigts pour que tout me plaise. Elle stresse. Elle a les pouettes-pouettes. Hier, elle stressait encore. Je lui fais, mais tu sais quoi? Quand je l'aurai ouverte, t'attendras que la vidéo soit en ligne avant de savoir ce que j'en ai pensé de ton colis. Ah ouais, j'étais sadique. Bah attends, hey, toi, attendez. Hein? Attention, il se pourrait que ce ne soit pas un thème que tu aies l'habitude de recevoir, mais il fallait de l'originalité pour ma jumelle. Elle m'a dit que le thème, c'était pas un truc. Voilà, il était parti sur un thème spécial. Tout me plaît de ma jumelle, j'adore. Tout me plaît, donc il n'y a pas de raison. Ah, faut que je me mouche. Ben ouais, j'aimerais bien commencer à découvrir. Ouais, donc arrête de parler et tais-toi. Ouais, faut faire durer le suspense, mort de rire. Ah oui, tu es en vidéo. Pas grave, la vidéo durera une plombe. Il est où le problème? Ouais, mais de toute façon, j'ai déjà prévenu les gens, hein. Voilà. Moi non plus, j'avais pas l'intention de me dépêcher pour... me dépêcher pour commencer à l'ouvrir, mais après, je vais admirer. Ouais, oh. Alors... Moi, j'aime bien tes vidéos longues. C'est toi qui as fait les plus longues, hein. 50 minutes, c'est pas chez moi, c'est chez toi. Hein. Plus c'est long, plus c'est bon. Oui! Tu ne sauras pas ce que j'en ai pensé. Hein. PS, je sais déjà que tu vas m'engueuler, mais je m'en fous. Mais, je crois que je... Bon, pour le coup, j'ai pas pleuré. Ça va. C'est la fille. Ah bah oui, mais moi, je suis très émotive. Pour le coup, j'ai pas pleuré. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, je vais pas t'engueuler. Je vais même pas t'engueuler parce que l'avantage avec ma jumelle, c'est particulier avec ma jumelle. Elle est pas née le même jour que moi. Elle est née après moi. Donc, en soi, au pire, oui, je vais te gronder peut-être un peu, mais au pire des cas, ben, je me vengerai. Donc, je pourrais me venger doublement. C'est ça qui est bon, en fait. Je mets juste pause le temps de me moucher, je reviens, je suis désolée. C'est bon, je suis de retour. Alors, on va commencer. Elle m'a tout emballé. Elle m'a mis un petit mot sur chaque paquet, il y a des numéros. Donc, pour toi, non, sans deck, je pensais que c'était pour la voisine. Pardon. Allez, je me calme. Je suis surexcitée, mais en même temps. Comment dire? Je sais pas. Je suis pas bien. Je suis bien, mais je suis pas bien d'offrir tout ça. Mais je suis heureuse. Oh, c'est joli. Oh, c'est beau. Ah, bah, si c'est les fleurs, ton thème, mes jumelles. Les fleurs et les papillons, hein, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Attends, il y a juste des petites fleurs qui ont été un peu écrasouillées. Hop. Oh, c'est beau. Oh, c'est pas juste une boîte, c'est lourd. Il y a quelque chose dedans? C'est très joli, ma jumelle. J'aime beaucoup. Alors, ça s'ouvre comment? Ça s'ouvre comme ça. Oh, un mini. C'est un mini. Oui, c'est un mini. Dans la boîte. Elle va pas s'ouvrir. Alors, c'est un mini ou c'est pas? Ah non, c'est comme ça que ça s'ouvre. D'accord. Je pensais qu'il se... Ok, d'accord. Moi, je pensais qu'il s'ouvrait, qu'il se tirait, en fait. Ah, excellent. Super. Mais c'est très joli, ma jumelle. J'adore. Alors, j'ai prévu le coup. J'ai fait de la place à côté.
Quoi que je vienne d'y mettre le carton. Alors, j'ai pas prévu le coup. J'ai pas de place. Ça va être le bazar, cette histoire. Alors, attendez. Hop. J'ai la balle, c'est la balle. C'est bon, j'ai fait de la place à côté. Je ramasserai le taille après. Donc, un joli petit album dans sa boîte. Tout simplement. Hop, je vous remontre. En fait, j'ai essayé de tirer dessus et je pensais qu'il s'ouvrait et que c'était la dernière page qui était collée au fond. Mais non, en fait, il s'ouvre pas, il est juste en accordéon. Là, ça fait un style d'accordéon, la reliure. Voilà. Hop, hop, tout simplement comme ceci. Voilà. Il est super joli. Bon, alors, le rose, les papillons, les fleurs. Hein? Que demander de plus? Déjà 10 minutes. Et je n'ai ouvert qu'un cadeau. En fait, c'était ça la vengeance de la dernière fois, ma jumelle. Tu voulais que je mette une heure à ouvrir un carton? Alors, le numéro 2. J'ai cru comprendre que tu les adorais. Ben, je vois pas ce que c'est. C'est un... Oh non! Je vois ce que c'est. Pardon. C'est le même format. Ah, j'ai failli dire un gros mot en vidéo, je vais éviter. Parce que on aime bien donner des mots, des noms d'oiseaux avec ma jumelle. Je vais taper. De chez Florilège, elles sont trop belles, je kiffe. Alors attendez, je vais faire des bruits de papier, hein. Hop, j'essaierai de m'en servir quand même. Hop, elles sont trop belles, les fleurs de chez Florilège. Je m'en suis pris qu'un paquet pendant les promos, elles étaient à 2,50 au lieu de 5. Je crois que je l'ai dit 3 millions de fois, hein, mais bon, c'est pas grave. Je regrette de pas en avoir pris une dizaine. Ah ouais, sincèrement, j'aurais pris une dizaine de paquets, ça m'aurait même pas dérangé. Elles sont tellement belles. Je les adore. Merci, ma jumelle. Alors, ensuite, numéro 3. Ouais, je vais un petit peu vite quand même, parce qu'il faut pas abuser. Là. Pour ta collection, mais il n'en forme qu'un seul. Ah, il n'a pas voulu coller. Pour ma collection, mais il n'en forme qu'un seul. Je fais une collection de quoi, moi? De Memory Dex? D'ATC? D'ATS? Non, c'est trop petit pour être une Memory Dex. C'est quoi? Ah! Ah! Ma jumelle, tu vas te faire gronder. Et après, on me dit, oh, t'as oublié, gna gna gna. Et au mois de mai, l'année dernière, j'avais oublié de mettre, pour son anniversaire, les petites étiquettes derrière les ATC. Ah, super joli. Alors, il n'en forme qu'un seul, ça veut dire que c'est un tableau. Ouais. Oh, c'est superbe. J'ai vu son défilé aujourd'hui, là, je l'ai vu ce matin. Enfin, je l'ai vu ce matin, j'ai pas regardé la vidéo, mais j'ai vu les informations, et il faut faire ceci sur le thème de la Saint-Valentin. Un tableau avec des ATC. Elles sont trop belles, j'adore les couleurs, j'adore les faits. C'est super joli. J'adore. Super beau, des fleurs. Et puis là, un petit papillon. Bah, ma jumelle, faudrait que tu me donnes les infos, puis je marquerai tout ça. J'adore. Tous les infos, surtout le titre, quoi. Après, je marquerai janvier ou février pour la date, et puis c'est bon. Hein. Merci beaucoup, ma jumelle. Ouais, je vais faire que ça. J'ai 14 minutes, j'hallucine. Alors, numéro 4. Parce que... Alors moi, ça me fait penser à la pub Orangina, secouez-moi. Mais pourquoi est-il si méchant? Oui. Je sais ce que c'est. Petite boîte. Œillet. Je pense à des œillets. Qu'on aurait vu à Nose, non? Je pense à des œillets. Bon, tu t'ouvres, toi? Bon, allez, ça commence à me... Hein? Ah, je vais garder le cœur quand même. Ah non, c'est pas œillet, c'est attache parisienne, d'accord, ok. Oui, parce que... Oui, mais je les avais vus. Et ouais, c'est ça qui est bon, en fait, je les avais vus.
C'est des attaches parisiennes en forme de fleurs, de feuilles d'automne. Elles sont super jolies, mais vous avez fait voir. Hop là, je vais mettre ça là. Elles sont super jolies. Merci, ma jumelle. J'adore. Oh, il va falloir que je m'amuse à ranger tout ça après. Numéro 5. Attention. Pour renouveler la déco de ton étagère. Pour renouveler la déco de ton étagère. C'est une créa, ça. Hop. Est-ce que j'ai une étagère spéciale créa, ma jumelle? Donc, je suppose que c'est une créa. Oh. Oh là là. Oh, c'est trop beau. Mais alors, par contre, ma jumelle, je repars sur le thème. Là, tu m'as dit que tu avais peur du thème. Mais le thème, il est très joli. Les fées, les fleurs, le. J'adore. Je sais pas si vous voyez bien. Il est super beau. Faut vraiment que j'essaye les magicaux, là. Il y a un effet. Ouais, vous voyez l'effet de brillance, là. J'adore. Message d'amitié, inséparable, concentré d'amitié. C'est trop, trop, trop joli, ma jumelle. J'adore, j'adore, j'adore. Je mets de l'autre côté. Je remets pause. Je vais faire que ça. Je suis désolée, hein, mais il faut que je me mouche.